Donc les amis, il est que tu connais nos sources d'ailleurs mizyan au document donc les amis, il est que donc tu connais nous nos pourrons sources inchallah d'ailleurs corriger mizyan des lois d'anidien au document واضح donc nous pourrons بداو inchallah corriger des lois d'anidien non donc comme d'habitude غادي نمشيو نيشان لا كاستيون باش كوم صا Donc comme d'habitude, redémission Michel les questions, parce comme ça, on a repris le temps moyen bzaf l'ouatani. Aïe, très car on a repris le temps moyen bzaf l'ouatani. Aïe, très car on a repris le temps. Donc document 1, numéro de question 1, définissez l'expression en gras souligné. Petit numéro de question 1, définissez l'expression en gras souligné. Petit 1, je vous n'ai monsieur. Document l'expression 1, soulignée. L'expression soulignée. Donc l'expression soulignée est chômage. Donc on a qu'à droit le chômage au Maroc. Donc l'expression soulignée est chômage. Donc on a qu'à droit le chômage au Maroc. Ok. Donc tout simplement, chnao le chômage, définition dialogue. Donc tout simplement, chnao le chômage, définition dialogue. Est un dysfonctionnement sur le marché du travail. Oui. Oui, amen. Est bonne un réponse. Dysfonctionnement sur le marché du travail. Oui. Oui, amen. Bonne réponse. Nous cadrons globalement le chômage, c'est un déséquilibre entre l'offre de travail et la demande de travail. Le chômage, c'est un déséquilibre entre l'offre de travail et la demande de travail. Est-ce que les clients n'ont pas le chômage sur le marché du travail? طالب والعرض هادشي اللي كيخدمنا سي لو مارشي دو طراي او بيان اوكي سي ان ديزيكيليبر سي لو مارشي دو طراي او بيان سي ان ديزيكيليبر انتر لوفر دو طراي و لا ديموندسيون ليزي لا دوني اون غرا سوليني اوكي نمشيو لا دوزيام كاستيون ليزي لا دوني اون غرا سوليني اوكي نمشيو نقراو لا دوني اون غرا دونك لا دوني اون غرا سوليني هي 14.5 Donc, il a donc la donnée en gras soulignée est 14,5. La totalité de la France. Donc, il a cette augmentation du taux de chômage a concerné aussi bien le milieu urbain. Cette augmentation du taux de chômage a concerné aussi bien le milieu urbain. 14,5 contre 14% que le milieu rural. Ok, tout simplement. Donc, tout simplement, la lecture de la donnée d'Anna. غادي نقولوا بان في لا ليكتور ديال ديال لا دوني ديالنا هنا بيان سور خصني نشوف بعدا على اين عام كنهضر اولا اين تريمستر هنا بيان سور خصني نشوف بعدا على اين عام كنهضر اولا اين تريمستر Au Maroc, 14,5% de la population active au Maroc, ayant 14,5% de la population selon le milieu urbain sont en chômage au troisième trimestre. Au Maroc, selon le milieu urbain sont en chômage au troisième trimestre. 14,5% de la population active en milieu urbain, 14,5% de la population active est en chômage. Et les deux réponses sont bonnes. Ok. Donc les deux réponses sont bonnes. Donc 14,5%. Désigne donc 14,5% de la population en chômage qui vit le pourcentage le milieu de la urbain. Population en chômage global qui vit dans le milieu urbain. Ça dépend de l'estimation au style de la réponse. Ça dépend de l'estimation au style de la réponse. Les questions de lecture explication commentaire. Il suffit les questions de lecture, explication, commentaire. Correct. Il suffit juste logique, bien sûr. Il compte un style correct. Une autre question. Logique, bien sûr. Donc, nous avons une autre numéro question. De question. Un petit c. Calculer la population active âgée de 15 ans et plus un troisième trimestre. Calculer la population active âgée de 15 ans et plus au troisième trimestre 2014. 15 ans et plus. Un troisième trimestre 2014. Actif âgé de 15 ans et plus. Au troisième donc, trimestre 2014. Document, bien sûr.
Donc, monsieur, on parle de la troisième trimestre 2014. La population en chômage s'est accrue de 6% par rapport à 1 140 000 personnes. Donc, pour se situer tout simplement 1 140 000 personnes. Donc, actif tout simplement âgé de 15 ans et plus. La population actif juge des lettres. Âgé de 15 ans. Le taux de chômage juge des lettres. Ainsi que le taux de chômage, population en chômage, le taux de chômage, ainsi que la population en chômage, la population en chômage, la HB 6% par rapport au troisième trimestre 2014, la population en chômage, la HB 6% par rapport à 2013, la population en chômage en 2014, à 1 140 000 la population en chômage en 2014, il y a 1 140 000 personnes, d'accord. Bien sûr, ce qui porte le taux de chômage à 9,6% de la population active âgée de 15 ans et plus. Bien sûr, ce qui porte le taux de chômage à 9,6% de la population active âgée de 15 ans et plus. Donc, on a le taux de chômage 2014 qu'on indique 9,6%. Donc, on a le taux de chômage est égal à la population active en chômage à la population active occupée. Donc, on a le taux de chômage est égal à la population active en chômage à la population active occupée. Donc, il est maximum de la question. La formule. Taux de chômage est égal. Donc là, automatiquement, on va dire qu'on va dire que la population active âgée de 15 ans la population active 11 875 000 personnes. Et 1 million. Ok, bravo, c'est la bonne réponse. 11 875 000. Ok, bravo, c'est la bonne réponse. 11 875 000, bravo, bien. Il suffit juste de nous le X, le X gros population active. Il suffit juste de nous la formule tout simplement. X gros population active. Ou qu'on nous la formule tout simplement. Parce qu'on a la réponse. D'accord. Donc, on passe à une autre question. D'accord. Donc, on passe à une autre question. Petite des questions numéro 1. Relevez en justifiant une caractéristique du chômage au Maroc. Petite des questions numéro 1. Relevez en justifiant une caractéristique du chômage au Maroc. Les caractéristiques du chômage au Maroc. Bien sûr, on a les caractéristiques du chômage au Maroc. Je dois la relever. Une caractéristique du chômage au Maroc. Donc le HCP recommande. Donc le HCP recommande donc au troisième trimestre 2014 la population en chômage s'est accrue de 6% par rapport au troisième trimestre 2014 la population en chômage s'est accrue de 6% par rapport au troisième trimestre 2013 ce qui porte le taux de chômage à 9,6% de la population active âgée de 15 ans ce qui porte le taux de chômage à 9,6% du taux de chômage a concerné aussi bien le milieu urbain. Cette augmentation du taux de chômage a concerné aussi bien le milieu rural 14,5-3,7% que le milieu rural 4,1% la caractéristique rabaina donc là le chômage il touche le milieu urbain plus que le milieu rural le chômage il touche le milieu urbain 14 plus que le milieu rural donc là on a le milieu urbain alors que le milieu rural 4,1% dit les chômeurs d'accord alors que le milieu rural 4,1% donc le chômage touche plus le milieu urbain que le milieu rural. Donc, bien sûr, Feshki voulait lire en justifiant, c'est-à-dire, je dois bien donner sûr, Feshki voulait lire en justifiant, un exemple, c'est-à-dire, je dois donner un exemple, le chômage touche le milieu urbain avec 14,5% le milieu urbain. Plus que le milieu rural, on dirait bien 4,1% en 2014. Plus que le milieu rural, on dirait bien 4,1% en 2014. Parce qu'on a une année, la justification. Donc on passe. Document 2, deuxième question. Ok, petit donc on illustrer passe la performance de la document BVC. Document 2, deuxième question. Je la BVC, il y a la bourse de la performance de la BVC. Une seule réponse. Je la BVC, il y a la bourse okay. De donc, valeur de Casablanca. Illustrer, c'est-à-dire, je dois donner un okay. Exemple. Donc, illustrer, c'est-à-dire, je dois donner monsieur un exemple de la performance. Sinon, que j'ai la performance, c'est-à-dire, document la bourse de Casablanca. Sinon, que j'ai la performance, c'est-à-dire, performance. La bourse de Casablanca, elle est performante ou non performante, c'est-à-dire, واش كاينه واحد المردوديه بون بيرفورمانس واش كاينه واحد واش كاينه une bonne performance واش les indicateurs de la bourse واش ils sont positifs les indicateurs de la bourse واش ils sont positifs ou négatifs.
Donc, monsieur, document le, la bourse, document, bien sûr. La bourse dans le vert en février, d'accord. Document 2. Donc, on est quelque chose bien à la bourse dans le vert en février. C'est-à-dire, donc, on est quelque chose bien à la bourse dans le vert. C'est-à-dire, on a la bourse, on a le vert ou le des indicateurs positifs. On a la bourse, on a le vert ou les indicateurs positifs. Ils sont en positif. Le mardi ou le mardi, c'est-à-dire une mauvaise performance. Ils sont en positif. Donc la bourse rouge, c'est-à-dire une mauvaise performance, devrait poursuivre sa tendance. Donc la bourse des valeurs de Casablanca devrait poursuivre sa tendance haussière en février 2015. L'amélioration attendue de la place boursière casablancaise devrait anticiper l'amélioration à l'issue de la publication des résultats. Ainsi que les opérations à l'issue de la publication des résultats annuels 2014, ainsi que les opérations des totalement attendues mars à mars de quelques grandes entreprises telles que Total. Ces opérations devraient ranimer la place qui a clôturé 2014. Ces opérations devraient ranimer la place qui a clôturé 2014 en vert avec une progression de 5,5%. Donc, بالنسبة جوج ديال نقدر ندير مهم سواء ندير الجملة الأولى جوج ديال كازابلانكا نقدر ندير مهم سواء ندير الجملة الأولى شنو كتعني طوندونس دو كازابلانكا دوفري تو سامبلومون أن لو مارشي غادي فيغ لو شنو كتعني طوندونس عندي دو بون شيفر تو سامبلومون أن لو مارشي غادي فيغ لو أولا نقدر ندير عندي دو بون شيفر دو بون زانديكاتور الجملة أولا نقدر ندير سيز أوبيراسيون دوفري رانيمي لا بلاس كي كلوتوري سيز أوبيراسيون دوفري رانيمي لا بلاس كي كلوتوري دونك وحدة فيهم افيك اون بروغريسيون دو 5 سي لا بون ريبونس دونك وحدة فيهم راه سي لا نقدروا نديروا حتى لو مازي اتان اون بيرفورمانس انيول دو 7 نقدروا نديروا حتى لو مازي اتان اون بيرفورمانس انيول دو 7 2% اي لي كالكولي سولون كتعرفوا La performance de la bourse selon les indicateurs selon Mazi ou Mad. Elle est mesurée selon les indicateurs Mazi ou Mad. L'amélioration attendue de la masse bénéficiaire. Donc, il y a plusieurs éléments de réponse. Donc, il y a plusieurs éléments de réponse. Deuxième question, petit b. Relever deux facteurs susceptibles d'influencer la deuxième question, petit b. Relever deux facteurs susceptibles d'influencer la demande sur le marché. Deux éléments. Ok. Qui peuvent influencer la demande sur le marché boursier. Deux éléments qui peuvent influencer la demande sur le marché boursier. Elle a la demande sur le marché de la bourse. Et Atrolia, elle a la demande sur le marché de la bourse. دونك اول اليمون يقدر ياثر لي على لا دوموند في لا بورس هو اول حاجه دونك اول اليمون لونتيسيپاسيون على لا دوموند لا ميليوراسيون هو اول حاجه بينيفيسيار لونتيسيپاسيون دو لا ميليوراسيون اتوندي دو لا ماس بينيفيسيار دي سوسيتي كوتي les opérations des introductions attendues en bourse de quelques grandes entreprises. Les opérations des introductions attendues en bourse de quelques grandes entreprises qui vont impacter positivement la demande. Des facteurs qui vont impacter l'introduction positivement la demande. Deux grandes entreprises totalement l'introduction Marsa Maroc deux grandes qui vont alimenter le marché Total Maroc ou Marsa Maroc qui vont de alimenter le marché il y a un dom boursier un dom de grosses capitalisations il y a un dom de grosses sommes à poser le marché boursier de grosses sommes ainsi que l'amélioration de la masse bénéficiaire des sociétés cotées ainsi que l'amélioration de la masse bénéficiaire des sociétés cotées Exactement, Ayman. Exactement. Exactement, Ayman. Exactement. Deuxième question, petit c. Préciser en justifiant la nature de deuxième l'indice question, Mazi. Petit c. Préciser en justifiant la nature de l'indice Mazi. Tout simplement. Ok. Il a tchattat les commandes de la question Flouatani. Tout simplement. L'indice Mazi est un indice synthétique. Les commandes de la question Flouatani. Parce qu'il mesure la performance globale des actions en bourse. Parce qu'il mesure la performance globale des actions en bourse. Indice synthétique ou indice simple. L'indice synthétique ou indice simple. L'indice simple. Une seule grandeur. C'est un indice qui permet de calculer une période de temps. Une seule grandeur. D'accord, une période de temps. فحال مثلا فاش كندير الفارياسيون ديال بي اي بي. Donc le PIB, فحال مثلا فاش كندير الفارياسيون ديال بي اي بي. فاش كنحسبوا le PIB, la valeur, c'est une seule grandeur. Les actions par contre, فاش كنحسبوا
La valeur, les actions cotées en bourse. Indice synthétique. Quel est-ce qu'on s'appelle indice synthétique. Oui, lorsqu'on dit au bal comme on a les indices boursiers, ce sont des indices synthétiques. Oui, lorsqu'on dit au bal comme on a les indices boursiers, ce sont des indices synthétiques. Ou بالنسبة فحال مثلا ال PIB ولا شي حاجة فحال هكا, ce sont des indices. Ou بالنسبة فحال مثلا ال PIB ولا شي حاجة فحال هكا, ce sont des indices. Ok, on passe à une autre question. Ok, on passe à une autre question. Donc, document 3, question 3, petit a, illustrer le passage en gras, souligné. Question 3, petit a, illustrer le passage en gras, souligné. Donc, radimchou, document 3, radimchou, chauffeau, le passage en gras, souligné. Donc le passage en gras souligné ou l'inflation à 2014 en 2014 donc, le passage en gras souligné ou l'inflation à 2014 en 2014 a connu un ralentissement. Donc ne fais qui goulouliya en illustrant, c'est-à-dire je dois expliquer le passage en illustrant avec un exemple concret. Je dois expliquer le passage avec donc, un exemple concret. Donc le document غير باش نعرفو exactement شنو طرا. Donc نقراو le document غير باش نعرفو exactement شنو طرا. Bien sûr, même ça, donc, malgré la suppression des subventions sur les carburants, l'inflation en 2014 donc, malgré la suppression des subventions sur les carburants, l'inflation en 2014 a connu l'indice un des prêts à la consommation d'entraîner en effet augmenté que de 0,41 l'indice des prêts à la consommation n'a en effet augmenté que de 0,41 au cours de laquelle la hausse a été de 2% à 2013. Donc, tout simplement, je n'ai pas dit que la hausse a été de 2% à 2013. A connu une baisse, en passant l'indice des prêts à la consommation a connu une baisse, en passant de 0,41% en 2014, en passant à 2% en 2013, en passant de 2% en 2013, il y a une baisse de 0,41% en 2014, il y a une baisse du taux d'inflation. Exactement, donc c'est un ralentissement. Donc on a dit une baisse. Exactement, donc c'est un ralentissement. Donc on a 2013 qu'un der 2% ou 2014 ou la der 0,41%. 2013 qu'un der 2% ou 2014 ou la der 0,41%. D'accord, waha. Donc, on a شنو غادي نقولوا في la réponse, غادي نقولوا بان l'indice des prix à la consommation. غادي نقولوا بان l'indice des prix à la consommation. A connu un ralentissement en passant de 2% en 2013 à 0,41% en 2014. En 2013 à 0,41% baisse de l'inflation tout simplement. Baisse de l'inflation tout simplement. Ou bien sûr, had la baisse de l'inflation, ou bien sûr, had la baisse de l'inflation, Troisième question, petit b, calculer et liser les données manquantes. Sur la base du calculé Élysée, les données manquantes. Radindro, je suis dit sur la base du tableau. Calculé Élysée. Radindro, calculé Élysée. On a deux années. On dit 2013 ou 2014. Donc la variation
القاعده ديالها راه معروفه الاخوان. غادي نديرو لو كالكول ديال غادي نديرو برودوي اليمونتير 2014 موان برودوي اليمونتير 2013 برودوي اليمونتير 2013 على برودوي اليمونتير باش كومسا كنعرفو لا فارياسيون يعني واش كاينه اون اوغمونطاسيون كومسا كنعرفو لا فارياسيون يعني ولا كاينه اون اوغمونطاسيون اون 2014 ولا كاينه اون ديمينيسيون اون 2014. OK. Donc, Edna, moins 1,07%. Okay. Bien sûr, là, en pourcentage. Donc, Edna, moins 1,07%. Bien sûr, là, en pourcentage. Donc, Talbi, maintenant, je vais vous dire l'IPC. Donc, Talbi, maintenant, je vais vous dire l'IPC. L'IPC ديال 2013 بيان سور قبل ما نحسبوا l'IPC ديال 2013 خاصنا نديروا بيان سور قبل ما نحسبوا l'IPC ديال 2013 خاصنا نديروا لاكتور ديال لا فارياسيون خاصنا نديروا شنو غادي نقولوا في لا فارياسيون لا لاكتور ديال لا فارياسيون دونك شنو غادي نقولوا في لا فارياسيون دي برودوي اليمونتير اون بي سي لي بري ا لا كونسومسيون دي برودوي اليمونتير اون 2014 بار رابور اون 2013 علاش قلنا اون بي سي لان خرج ليا لا فارياسيون بار رابور 2013 علاش قلنا اون بي سي لان خرج ليا لا فارياسيون نيجاتيف اوكي بالنسبه لي بي سي لي بي سي كيفاش كنحسبوه هو اننا كنشدو لي بي سي كيفاش كنحسبوه هو اننا كنشدو تو سامبلومون لو برودوي اليمونتير وكنضربوه في كويفيسيون دو فارياسيون كنشدو لو برودوي اليمونتير وكنضربوه في كويفيسيون دو فارياسيون ديال بلوس لو برودوي اليمونتير غادي يخرج لنا 112.8 ديال البرودوي نون اليمونتير اكزاكتومون غادي يخرج لنا 112.8 بيان سور بما انه سي ان انديس ديما كنقسميه داكور وبيان سور بما انه سي ان انديس ديما كنقسميه سي ان انديس دونك في لا ليكتور شنو غادي نقولوا او ماروك لو نيفو جينيرال دونك في لا ليكتور شنو غادي نقولوا لا كونسوماسيون او ماروك لو نيفو جينيرال دو 12 فير دي بري ا لا كونسوماسيون ا اوغمونتي دو 12.93% par rapport à l'année de base, il y a 2006. Par rapport à l'année de base, il y a 2010. Dima kender, mukarana ma l'année de base. Donc, IPC 2013 est égal. IPC 2013 est égal. Est égal IPC est égal IPC IPC les produits IPC alimentaire produit fois coefficient alimentaire fois coefficient de pondération bien sûr diel de les produits des rations bien sûr diel alimentaire plus alimentaire IPC plus des produits IPC non alimentaire des produits fois non alimentaire coefficient fois de coefficient des produits de non en alimentation des produits non alimentaires voilà donc on a qu'un zéro sigma sigma ديال لي بي سي دونك هنا كنديروا كويفيسيون دو بونديرانسيون سيغما ديال لي بي سي كل برودوي عندنا في المغرب كويفيسيون دو بونديرانسيون كويفيسيون دو بونديرانسيون ديالو كل برودوي عندنا في المغرب نقدروا نخلو ان كويفيسيون دو بونديرانسيون ديالو هادشي ما كيهمناش بزاف ما غاديش نقدروا نخلو منها هو لقاو لا فالور ديال لي بي سي ما كيهمناش بزاف حنا اللي كيهمنا هو لقاو لا فالور ديال لي بي سي 2013 دونك اون باس اوكي بيان سور ما نساوش اون باس لان سي ان انديس Bien sûr, on passe x 100, une autre question. Donc, on passe une autre question.
Donc, troisièmement, petit c, nommer la donnée en gras souligné du texte. Donc, troisièmement, petit c, nommer la donnée en gras souligné du texte. Ok, je vais mettre la donnée en gras souligné, c'est-à-dire 0,41%. En gras souligné, c'est-à-dire 0,41%. Donc, 0,41%, puisque derrière les nappes, donc 0,41%, puisque derrière les nappes, le taux d'inflation a en effet augmenté. Donc 0,41%, c'est le taux d'inflation en 2014. Donc 0,41%, c'est le taux d'inflation en 2014. Ok, donc on passe à une autre question. Donc, troisième question, petit d, expliquer le niveau du taux d'inflation en 2014. Expliquer le niveau du taux d'inflation en 2014. Ok. Donc, on a fait ce qui voulait bien sûr expliquer. Je dois expliquer à travers des données. On a fait ce qui voulait bien sûr expliquer. Donc, un ralentissement le prix des produits alimentaires, un ralentissement le prix des produits alimentaires, légère, 1521 ou la 120, ou un prix des produits alimentaires qui a faible augmentation à 108, de prix des produits alimentaires qui a passé de 107 à 108. Donc, je n'aurai pas la réponse d'Yann. La réponse de l'explication, bien sûr. Donc, je n'aurai pas la réponse d'Yann. La réponse de l'explication, bien sûr. Le taux d'inflation au Maroc reste faible. À tout à l'heure, باش نكملوا الكوريجي ديال الوطني ديالنا. يلا.